Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, l'entrée en musique de Cyril Benzaken. Des fois je la déteste, je la maudis, je la délaisse. Je change de décor quand il pleut dehors. Je retourne ma veste. Finalement je l'adore. Bien sûr j'en ai vu d'autres, des grandes, des belles. La salle qui me fait vibrer, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Et le voici, Cyril Benzaken, accompagné de Simon, qui chante pour l'accueillir, pour l'encourager. C'est le Benzaken en direct du Grand Palais éphémère de Paris. Pour le week-end, dis-moi que tu m'aimes, Paris. Dis-moi que tu m'aimes. Ceux qui ne t'aiment pas, l'erreur est humaine. Ouais, ça c'est l'amour. Comment passer à côté? Pas un peu à l'eau, c'est un cadre de beauté. Elle cuisine le soir, sous un ciel triple étoilé. Des fois elle sait saler, derrière elle faut nettoyer. Alors je la déteste et ma haine s'abat. Et Cyril Benzaken va tenter un nouvel exploit ici en direct du Grand Palais éphémère à Paris. La Tour Eiffel en toile de fond va-t-elle s'illuminer pour son champion français? On l'espère. Cyril Benzaken a 5 rounds devant lui pour essayer de satisfaire son public et de remporter son combat. Première reprise, championnat du monde. 80 ans après, Marcel Cerdan. Le Grand Palais accueille Cyril Benzaken. Marcel Cerdan, c'était le 17 mai 1942. Il avait alors remporté une ceinture de champion d'Europe. Une victoire, c'est le sort que l'on souhaite à Cyril Benzaken ce soir. Une victoire qui pourrait lui permettre de repartir avec une ceinture de champion du monde. High punch très fort, attention à la puissance. Oula, il a décidé de tout donner en plus avec un très large crochet. Même si Cyril Benzaken a le temps de le voir venir, il faut pouvoir l'éviter. Oh, attention, attention de bien conserver cette garde, de bien protéger son menton. On l'a vu dans le combat précédent, ça peut être fatal. Voilà, attention Cyril, attention Cyril! Cyril Benzaken est knockdown, il est au sol. C'est déjà un petit événement. Allez, il lui reste une minute à tenir. Il faut laisser passer la tempête, Cyril. Allez! Voilà! Voilà, premier enchaînement. Et il continue. C'est bon, il a repris du poil de la bête. Cyril Benzaken. Et il survit. Il survit à ce premier round. Fin de ce premier round, Tony Truant. Le Roumain a annoncé la couleur. Il est venu là pour cette ceinture de champion du monde. Et je vous le disais, le boxeur intelligent qu'il est, sait gérer ce genre d'adversité. Et forcément le Roumain y a laissé des plumes aussi dans le premier round. Il reste dangereux, hein, le Roumain, mais... Non, ça va, il s'est aidé des cordes, Cyril Benzaken. Ah, il reste très dangereux, il est précis. Voilà, les genoux. Ah, et quel contreur aussi, Mbadjou. Même si, voilà, il a la bouche ouverte maintenant. Physiquement, ça commence à être dur, mais il a des ressources. Il a énormément de ressources. Quel combat! Quel combat! On a passé la moitié du combat maintenant. Il reste une minute dans ce troisième round. Il en restera deux derrière. 6 pas de KO, 6 pas d'arrêt avant la limite. Allez, de plus en plus, j'ai l'impression que Cyril Benzaken essaye d'attirer le Roumain dans ses filets pour
pour pouvoir le toucher, le heurter. Voilà, il va falloir essayer de toucher, comme il l'a fait, un peu, de manière un peu trop faible, sur cette droite. Et là, il a encore été touché sur cette fin de round, Cyril Benzaken, mais il y a du mieux. Il y a du mieux, c'était tellement dur dans le premier round. L'arbitre obligé d'intervenir, Mohamed Zahoui, pour ses accrochages. Preuve que la fatigue commence à s'installer, surtout dans le clan du Roumain, du côté du Roumain. Attention, attention à ses coups au corps. On voit avec quelle implication, quelle force, quelle puissance il arrive à les distiller, que ce soit d'un côté ou de l'autre, Lambagiou. Cinquième et dernier round, les deux boxeurs doivent tout donner maintenant pour l'emporter. L'avantage dès le début du combat a été pris par Florian Lambadjou. Il est vraiment surprenant le combattant roumain, parce que vu la débauche d'énergie faite dès les premières secondes du combat, il arrive encore à avoir cette précision et cette puissance. Jusqu'à 1 minute 30 là de la fin du cinquième round. Qu'est-ce que c'est dur! Qu'est-ce que c'est dur! Oh, la droite qui est passée! Allez! Ouais, toujours la lucidité pour cette esquive. Maintenant, il faut essayer de répondre, Cyril, pour ces dernières secondes. Quelle ambiance au Grand Palais éphémère de Paris! C'est le combat principal de cette soirée organisé par Cyril Benzaken, promoteur et combattant à la fois. Arrivé en champion du monde dans cette salle mythique et qui espère repartir dans quelques instants avec cette ceinture. Terminé! Quel combat! Quel combat! C'est vrai! Quel combat! Le verdict, s'il vous plaît. 49-48. 49-47. Troisième juge, 49-47. Les trois en faveur. Et toujours champion du monde. Et finalement, Cyril Benzaken est toujours champion du monde. Le Français, devant son public, dans une salle mythique, le fait 80 ans après Marcel Cerdan. Cyril Benzaken, lui aussi, repart avec une ceinture. Pour Marcel Cerdan, en 1942, c'était une ceinture de champion d'Europe. Cyril Benzaken est lui champion du monde.